Bienvenue au ministère du Travail et de la Fonction publique. C'est cette tour administrative B qui abrite le département ministériel en charge de la gestion des ressources humaines de l'État et celle de l'administration publique béninoise en général. Pendant longtemps, cette administration a souffert de plusieurs maux qui l'ont rendue très peu performante. On peut citer par exemple la mauvaise gouvernance dans l'organisation des concours de recrutement à la fonction publique, le pilotage de la carrière des agents de manière réactive et non proactive. On peut également citer la gestion de la carrière des agents à la fois lourde, fastidieuse, avec une multitude de dysfonctionnements qui engendrent beaucoup de tracasseries aux agents de l'État. De nombreux problèmes de relations entre les différents services, directions, ministères investis de la gestion des carrières des agents de l'État et surtout, les risques de corruption. Il fallait une thérapie de choc pour éliminer ces maux, d'où les réformes annoncées par le gouvernement dans son programme d'action pour la période 2016-2021 au pilier 1, axe 2, action 1, qui est de dynamiser et de moderniser l'administration pour la mise en place d'une administration intelligente. Conscient de cet enjeu, le ministère du Travail et de la Fonction publique, sous le leadership éclairé de son chef, a très tôt amorcé plusieurs chantiers de réformes entrant dans le cadre de la mise en place du système intégré de gestion des ressources humaines. Le premier chantier de réforme amorcé concerne l'organisation des concours d'entrée dans la fonction publique. Les concours au ministère du Travail nous avaient créé beaucoup de problèmes. Nous, dans les départements, nous constituons le bras organisateur des concours et nous savons tout ce que nous vivons. On traitait le ministère du Travail de tricheur. Fini cette tricherie. Grâce aux technologies de l'information et de la communication, il est désormais question de crédibiliser et de garantir la transparence du système d'organisation et de gestion des concours afin d'offrir les mêmes chances à tous les candidats, sécuriser les données et pérenniser les acquis du système. Il était remarqué qu'il n'y a pas une conservation des documents essentiels qui sont exploités dans le système d'organisation. Il était quasi impossible de trouver les copies des candidats, quasi impossible de pouvoir produire des statistiques fiables en matière de nombre de candidats ayant postulé, les corps pour lesquels les candidats ont postulé, le nombre de présents, le nombre d'absents et même les résultats étaient émaillés de beaucoup d'erreurs. Des doublons d'admission par-ci et par-là. Et pour corriger tout cela, l'état des lieux a permis, avec l'appui de certains partenaires, de mettre en place, d'élaborer un manuel de procédure pour cadrer et cerner tout ce qui doit être fait, la manière dont cela doit être fait et les divers acteurs qui doivent être impliqués dans le processus d'organisation et de gestion des concours. En plus du manuel de procédure, les réformes ont consisté à dématérialiser la gestion des dossiers de candidature, à mettre en place une plateforme web dédiée avec l'installation d'une salle informatique et d'un bloc technique. Les travaux de secrétariat sont modernisés, ceux de délibération ont connu de profondes mutations. Il en est de même du processus de proclamation des résultats et bien d'autres. Cette première réforme porte ses fruits. Nous sommes ici à la proclamation des résultats de la session du 10 décembre 2016, le premier concours organisé par le régime au profit des enseignants contractuels. Sous réserve
d'ultimes vérifications et contrôles, les candidats suivants sont déclarés admis par ordre de mérite. Adjilé Ange Garde Oladjide. J'ai postulé pour le concours et pour l'enseignement primaire. Et fortuitement, ça a marché. Et depuis le jour où j'ai composé, j'avais une certitude moi-même parce que quand je me rappelle un peu de tout ce que j'ai écrit, et je me disais que si effectivement le gouvernement qui est en place, et si effectivement le gouvernement respecte les propos du président et de ce qui a été dit, que pourquoi je ne dois pas faire partie de ceux-là. Effectivement, le Seigneur a accompli ses œuvres et aujourd'hui je suis débordé de joie. Oui, justement, merci beaucoup. Merci. Je félicite le gouvernement du président Patrice Talon parce que c'est la première fois que j'ai composé et réellement j'ai eu le résultat en moins de 2 semaines et que j'ai vraiment eu cette chance-là de réussir. Je lui dis souvent merci sans connaître personne. Et vraiment, c'est une grande joie qui vient de m'animer. Sinon, chaque fois quand je vais au concours, ça ne marche pas. Chaque fois quand je vais au concours, ça ne marche pas. Même pour déposer les dossiers, vraiment, je n'arrive pas à trouver les prêts. Et il faut aller faire des prêts pour déposer les dossiers. Et chaque fois quand je participe au concours, ça ne marche pas. Je vois que ce concours est parfait. Tout est vérifié. Et ils ont respecté le délai prévu pour la proclamation des résultats. C'est ce qui me fait passé de joie, je ne sais pas par quel mot, par quelle expression je vais m'exprimer de mes joies. Le deuxième chantier de réforme ouvert est celui de l'amélioration de la qualité des services aux usagers par la consultation de la dernière situation administrative par SMS, la consultation des actes de carrière et les requêtes à formuler par tout agent sur le lien www.travail.gouv.bj. À ce titre, plusieurs plateformes ont été mises en place aux fins d'assurer et de conduire le processus de digitalisation des services offerts aux usagers. Au nombre de ces outils, on peut citer la plateforme de mise en ligne sécurisée des actes de carrière, la plateforme SMS de consultation de la dernière situation administrative, le portail de démarches administratives, le portail web du ministère du Travail et de la Fonction publique. D'autres actions de réforme sont en cours de finalisation. Il s'agit notamment de la mise en production du système de gestion du courrier au niveau du ministère qui a pour finalité de centraliser et de suivre le traitement du courrier entrant et sortant du ministère du Travail et de la Fonction publique, de faciliter les recherches, de réduire le temps d'accès à l'information et d'exclure purement et simplement toute possibilité de perte d'information. Nous implémentons aussi un système de centralisation des requêtes de nos usagers. Il s'agit pour nous de faciliter le suivi de ces requêtes afin qu'elles soient traitées, qu'elles soient liquidées dans les délais impartis. Il s'agit pour nous de nous doter d'un outil, d'un mécanisme de collecte, d'analyse et d'initiation d'actions correctrices en vue d'améliorer nos processus. Ces réformes engagées au niveau du ministère du Travail et de la Fonction publique sont implémentées par les agents de l'administration publique avec succès. Mais pour s'en convaincre et s'assurer de leur efficacité, nous avons sillonné plusieurs départements du Bénin. We
inspecteur. Les parents, numéro 10, 8, 13, 109, 20. Tout le monde a vu. C'est son acte là. Allez en bas jusqu'à ce qu'on affiche les signatures. C'est bon? Repartez en haut. Je viens là d'imprimer mon dernier acte et en ligne sur le site du ministère du Travail. Et on a toujours parlé des innovations dans la fonction publique. Je crois que depuis les indépendances, c'est pour la première fois que l'administration béninoise est modernisée, où n'importe qui peut, de son lieu de service, qu'il soit au nord ou au sud, dans son bureau, à travers la plateforme du ministère du Travail, télécharger ses actes. Et nous invitons tous les usagers, tous les autres fonctionnaires en service dans les départements, à ne pas perdre leur temps à se déplacer désormais pour aller à Cotonou. Le gouvernement de la rupture et le ministère du Travail ont déjà facilité la tâche à tout le monde. En étant sur place, on peut imprimer ces actes. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le constat de la mise en place d'une administration moderne au service des usagers clients est à n'en point douter. Depuis le recrutement jusqu'à la retraite, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de réformes pour faciliter la gestion des différents processus et surtout pour promouvoir la transparence. Donc, c'est à l'actif de notre gouvernement. Ce que j'ai en main ici comme un LAT, donc avant là, on me demandait de fournir des dossiers. Bon, je fournis des dossiers, quel que soit le fait avant de bénéficier ceci, on doit fournir tous les dossiers d'abord. Et maintenant, ce n'est pas la peine maintenant de faire va-et-vient au niveau du ministère ou bien ministère de finances aussi, ministère du Travail, ministère des Finances. Mais tranquillement, tu peux rester dans ton bureau et tu peux avoir ton acte. Voilà ce que j'ai eu aujourd'hui comme mon acte. Donc, sincèrement, je suis vraiment fier. Pour les papiers administratifs dans notre pays, oh, cela dépend beaucoup de courses. Et de nos jours, c'est chose aisée d'être tout tranquille et les actes sortent. Ça, c'est un effort très bon, très apprécié et nous souhaiterions que cela aille de l'avant pour le bien-être des agents de l'État. Je suis allé sur la plateforme, je suis là déjà en train de voir pratiquement les informations me concernant, mon matricule, mon nom et prénom, ma date de naissance. J'ai vu mon email également, ma position, ma structure de tutelle, ministère des Finances, mon grade, position, mon corps, bien évidemment, le régime. Là déjà, waouh, je suis impressionné parce que je vois mon nouvel arrêté de promotion qui est déjà disponible sur le site, que d'ailleurs je peux télécharger tout à l'heure là même. C'est intéressant, c'est impressionnant ça. Je vois pratiquement tout ce que j'ai eu comme arrêté. Man and when I'm
C'est vraiment très, très, très intéressant. Je suis très content. Je ne savais même pas que l'arrêté est déjà prêt. Je sais que c'est dans le circuit. Je ne sais pas si que c'était déjà prêt. Jusqu'à ce que c'est disponible, téléchargeable, je crois que c'est une très, très bonne chose. C'est vraiment un succès. Et je souhaite que cela soit pérenne. J'ai déposé les fiches de notes, les fiches d'évaluation. Et après, je n'ai plus eu d'autres procédures avant d'avoir mon dernier acte, qui est A1-9. Je l'ai eu et quand j'ai voulu aller le déposer à la solde, on m'a dit que désormais on ne va plus déposer les actes à la solde et qu'il y a une relation et ressources humaines, notre DAF et le trésor public qui a géré. Et je suis là un jour, j'ai constaté en juillet le changement de mon salaire. Et quand j'ai été tiré la fiche de paye, j'ai vu que j'ai connu un avancement d'un échelon. Je suis passé de 1,8 à 1,9. Au niveau de la salle de gestion de la solde, nous sommes sollicités pour traiter en l'occurrence les soldes et accessoires des agents civils de l'État. À cet effet, depuis 2016, de vastes réformes sont entreprises, allant dans le sens de la dématérialisation du traitement des soldes et accessoires des agents civils. Le plus important de ces axes de réforme résulte évidemment dans la suspension du contact entre les usagers clients de la salle de gestion de la solde et les usagers allant dans le sens du dépôt de leur dossier pour traitement. Depuis lors, donc, ces dossiers sont reçus au guichet de la solde directement par la cellule de gestion du fichier unique de référence et de la programmation des effectifs de la direction générale de la fonction publique. Ces dossiers nous sont transmis, sont alors affectés aux collaborateurs pour traitement, ce qui implique donc que l'usager reste dans son bureau et son acte parvient à la cellule de gestion de la solde. Cet acte est traité directement par cette cellule-là et l'usager, bien entendu, constate l'effet financier de cet acte d'avancement-là sur son salaire. L'autre pan de cette réforme consiste à ce que, depuis ce temps, ce n'est plus la Direction générale du budget qui crée les agents de l'État dans le logiciel Soncoin, qui est le logiciel de traitement des salaires des agents civils de l'État. Mais c'est plutôt la fonction publique qui a cette charge-là, qui crée les agents. Et les informations sont transmises à la salle de gestion de la solde via l'interface qui nous lie désormais à la fonction publique. Ce double avantage réside évidemment dans ce que les traitements de salaire sont plus accélérés et par conséquent, donc, il y a le facteur temps qui est considérablement réduit dans le traitement de ces dossiers dès lors que ces dossiers n'ont évidemment pas de problème pour la liquidation. La suite, c'est que, évidemment, le Trésor prend le relais de ce qui est fait à la salle de gestion de la solde et par le biais donc, de la transmission des dossiers vers ses collègues au Trésor, les dossiers sont pris en compte à leur niveau, validés et le fait financier est observé sur le salaire des agents de l'État. Le troisième chantier de réforme concerne la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État avec la création au ministère du Travail et de la fonction publique de cette plateforme d'avancement d'échelons automatiques où les gestionnaires des ressources humaines de l'État, des différents départements ministériels, y vont pour le traitement des données du personnel de leur ministère. Je vous avoue que c'est une réforme qui nous simplifie davantage la tâche. Au niveau du MAMP, vous savez qu'il y a un gros effectif au niveau du MAMP. Donc, depuis 10 mois que nous sommes ici, à chaque fois que nous venons travailler avec les agents du ministère de la fonction publique, nous avons une satisfaction totale. Et même sur le terrain, certains qui ont déjà reçu leur acte s'en félicitent. Je crois que nous avons le plus gros effectif du Bénin en matière d'agents de l'État. Et cette réforme est la bienvenue dans notre ministère, surtout par rapport à l'avancement des enseignants. En matière de gestion de la carrière du personnel du ministère du cadre de vie,
en 2 ans, nous avons constaté beaucoup d'innovations. Et ces réformes-là sont à saluer. Même si ces réformes sont salutaires, au ministère du Travail et de la Fonction publique, les réflexions vont plus loin. On pense déjà au transfert des compétences au ministère sectoriel. Dans un futur proche, nous allons mettre à disposition ce système-là de tous les ministères. C'est-à-dire étendre les différents systèmes développés au niveau des différents ministères. Et au lieu que les agents ou bien les représentants des DAF qui se déplacent actuellement pour venir au niveau de notre plateforme pour travailler, ces agents-là, depuis leur poste, depuis leur bureau, pourront éditer, et que ce soit la liste des agents devant bénéficier de tel acte ou tel acte, ou bien les actes seront édités directement à partir du poste des intéressés. Le quatrième chantier concerne la réorganisation et la modernisation des archives des dossiers individuels des agents de l'État. Pour ces derniers, le ministère du Travail et de la Fonction publique procède actuellement à la numérisation des actes de carrière disponibles dans les dossiers individuels des 10 agents. Le cinquième chantier de réforme est la simplification et la modernisation de la procédure de mise à la retraite, avec pour objectif la remise à bonne date du carnet de pension. C'est une préoccupation du chef de l'État qui souhaite que lorsque l'agent de l'État est admis à la retraite, que l'on puisse remettre son carnet de pension pour que, à la fin du mois qui suit son admission à la retraite, celui-ci puisse toucher sa pension. C'est sûr que cette mesure va soulager les peines des vaillants travailleurs qui ont loyalement servi la République pendant des décennies et qui aujourd'hui, malheureusement, attendent plusieurs années avant de pouvoir toucher leur pension. Je m'apprête d'ailleurs à créer un espace retraite dans le grand hall du ministère, dans le but de limiter la pénibilité des démarches de ces personnes de troisième âge qui méritent tout de même beaucoup de respect. En particulier, pour ceux qui vont faire valoir leur droit à une pension de retraite en 2019, les actions prévoient la remise du carnet de pension tel que je l'ai dit, en vue du paiement immédiat de sa pension aux bénéficiaires. Nous allons procéder à l'inauguration. Merci beaucoup. Les réformes au ministère du Travail et de la Fonction publique passe également par l'équipement en matériel informatique, la construction et la réhabilitation des infrastructures des directions départementales du Travail et de la Fonction publique sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement l'a inscrit dans son programme d'action à travers le projet de renforcement des capacités. La direction départementale du Travail et de la Fonction publique du Zoué des Collines était confinée dans 3 locaux, dans 3 bureaux, je dirais. 3 bureaux de l'agence régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale du Zou et des Collines. 3 bureaux où le personnel était entassé comme des sardines, où les conditions de travail n'étaient pas du tout décentes. C'est la concrétisation des actions du régime du nouveau départ, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans des conditions véritablement optimale pour rendre les services à la population. Toutes ces actions, comme vous le constatez, participent à la dynamisation et à la modernisation de l'administration, une action qui est bien inscrite dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021. Et mon département ministériel, plus que jamais engagé, ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Le chemin est encore long. Pour une administration moderne et dynamique, débarrassée de cet art, il y a tout de même de l'espoir à l'analyse des premières actions de réformes qui donnent déjà des résultats encourageants.